Les quatre ennemis de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Premier ennemi, Yéhoana Babengi, la peur. Deuxième ennemi, Yéhoana Babengi, incrédulité. Troisième ennemi, Yéhoana Babengi, infidélité. Quatrième ennemi, Yéhoana Babengi, manque de défis. Rôle y a la peur, ennemi wana ce qui y a yé, et si ka fou ezali, a ko koti, ce qui la peur a koti, yebaka a koti fou na yé comme un déséquilibre. Pour neutraliser la peur, il faut la foi azala. La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. La peur azala porte moko. Oyo aza très puissant. Ye rôle na ye ezali aya ko manipuler yo yango omoni ke faut pousser la peur par la parole de Dieu. Parce que plus parole de Dieu ezali, la foi augmente. La peur to ko si vous montez yango na méditation à parole de Dieu to dans la prière. La peur e ko ko bosse ni sayo ke za moins na Nzambe. E ko ko bosse ni sayo ke Yesu azananga na barque. La peur et ce qui empêche aux joies de décision, aux joies d'initiative. Donc la peur a un ennemi très 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 puissant. Mais la foi est plus puissante que la peur. La peur vous empêche aussi de confesser la victoire. Conséquence de la peur, quand vous avez mis un disciple qui a doute, qui va s'installer, au moment face à problème, au moment aux communautés souterraines. On a toujours un adversaire qui est géant, qui est costaud par rapport à mon problème, par rapport à ma situation. Il est toujours inférieur. Il est animé par la peur. Donc, il a coquille qui est devant petit. Il est inférieur. Il est puissant pour la vie, mais il est puissant par rapport à Christ. Il est géant. Donc, le géant est petit, il est géant à la place. Biso to komi costo. Yango moni David tanga mona ki Goliath. David atala ki tai na yete, mais atala ki tai ya Nzambe o ye andimeli. Il faut to mona ka ba diversaire na biso comme ba sauterelle et non biso ba sauterelle. Mutu aza animé par la peur. Na ko beta yo. Donc adversaire na zo mona oh. Wabi bitu mom so ko gagner on kaka na ba grimace. To mona ke mutu aza liboso no aza makasi. Mais tellement yo oza la kondima. Donc, ma grimace, na yo, autorité, na yo, ta façon de parler, ta façon d'agir, au moins, adversaire à l'équipe de ma classe, à Komobang. Bote la bino, bon week-end na ma bote la bino, ban nzambe vous allez kolanda biso de partout dans le monde. Merci na confiance au chaque jour vous allez ko renouveler na kati ya plus car télévision pe pa nanga moko maman Joël Kombe particulièrement. Merci na ba vous allez ko benganga chaque jour surtout pour na voyer ba évolution état de santé na ngai na zali vraiment malamu mingi mais kasi ya moto ban émission na biso mokolo mwalelo to zali ne sengo ya koyamba po na bino. Un prédicateur de la parole dédiée, nakombo ya pasteur Pascal Mukonki, oyo abouti bongo fraîchement abouti France, azali bongo mosali na Nzambe mwana Nzambe, oyo to sepeli mukolo mwalelo koyambaye poeti toyoka liloba liloba oyo bana Nzambe bele oyo ba sepela kama koyoka liloba oyo ilamusaka bango ezongisaka bango na makolo na Yesu. Sans plus tarder, tame na biso mukolo mwalelo ezali les quatre ennemis de la foi dans la vie d'un enfant dédié. Tokozwa développement, il y a thème na biso mokolo mwalelo et pas ya pasteur Pascal Mukonki. Mais sans plus tarder, na pesi matondo mingi na Joël Gona gauche, sœur d'image, je vois ici ma caméra. Merci na cordo pi mafuku pe na ba na nzambe nyonso ba ibuzwi di bapo ya kolanda biso mbote pasteur Pascal. Mbote mama Joël nazan esengo mingi ya ko vraiment ya ko na invitation pe singa na plateau na yo. Vraiment Nzambe a joué le coup mou pe na bande ko nyonso bazola na biso na bilili vraiment shalom 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 que Dieu vous bénisse. Voilà. Pasteur Pascal vous allez na mboka na yo na mboka na biso République démocratique du Congo na Kinshasa vous allez en France boni mosana Nzambe kuna
Ça, en Zambé, ezo le kamalamu, par la grâce de Dieu, malgré ma difficulté, parce que na Europe, vie est malamu, mutaza na nyon so azo luka. Donc, tant vraiment yako sal en Zambé, ba toaza na mominité, parce que baza vraiment esika abondance yali. Mais par la grâce de Dieu, ba o en Zambé, ba zo continue toujours moussala, ko sal en Zambé, pe bisope tozo ko baka randenge, bible mina bisoke. Ne lâchez point, persévérez toujours dans la foi. Voilà. Olobi était kuna batu ebele bazali en abondance, mais est-ce que c'est facile vraiment ya ko servir Nzambe lulenge? Ça fait des années où yo ko servir yo zali kote ya lobana. Oui, apôtre Paul a bien dit que dans l'abondance, je glorifie l'Éternel, dans la disette aussi, je continue toujours à glorifier le nom de l'Éternel. Albi, ni la mort, ni la vie, ni les choses de ce monde, ni les choses présentes ou à venir ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Vraiment, toujours persévérer toujours dans la foi. Tant que Yesu na zongité, biso toujours continuer toujours à persévérer. Voilà. Pasteur Pascal, termina biso, chez Mokolo Mwalelo, Isali Bongo, les quatre ennemis de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Bananzam Bazali Kolandayo, Limbola Mouki. Termina biso, Isali, les quatre ennemis de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que là, il parle des chrétiens. Les quatre ennemis de la foi. Ils ont un ennemi moko oyo aza très puissant oyo ayaka soki akoti na vie ya mwana nzambe vraiment aza pona ko pesa yo bonjour te mais aza na pona ko menacer foi ye abundisera toujours foi soki foi eza est comme déstabilisé au mona ennemi azui moyen ya kokota pe asaka ni vie na yo mais gloire soit rendue à Dieu parce que Yesu atikela kibiso toujours atikela kibiso ba stratégie nyo so ya ennemi pe aloba na biso résister au diable. Alors sikoyo na ko meka ko développer thème na biso toujours ba si les quatre ennemis de la foi. Premier ennemi ye wana ba bengi la peur. Deuxième ennemi ye wana ba bengi incrédulité. Troisième ennemi, yoana babengi infidélité. Quatrième ennemi, yoana babengi manque de défis. Okay. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, oyeba, qu'on détecte ba ennemi de la foi. Parce que wana azo bundisa ba payente, azo bundisa ndeba na nzambe. Alors, toko développer lelo toko développer pe kaka premier ennemi o babengi la peur. Okay. La peur est le pendant réciproque de la foi. Ce que je bengi la peur, oche la foi awa, baza opposé ba mi balé. Ba ko marcher ensemble été. Alors, rôle ya la peur, ennemi wana ce qui ya yé, et si ka foi ezali, a ko koti, ce qui la peur a koti, yebaka. À côté de foi, on a eu comme un déséquilibre. Alors, tant que déséquilibre, on a écouté, la paix a eu position. Lorsque la paix entre, la foi recule. Pour la neutraliser la paix, il faut la foi azala. La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Donc, la seule façon. Il faut neutraliser la peur, il faut nourrir la foi. Et la foi est nourrie par la parole de Dieu. La peur, tout comme la foi, est la force puissante. Donc la peur a la puissance, a la force, a la très puissante. Parce que ce qui la peur à côté, na vie à moi en Zambé, y a un rôle na ezali ayako. Ko ayako manipuler yo pour à côté ça a incliné et puis la père écoute à la vie à mutukaka pendant ba épreuve pendant situation moko se présenter katina yo obosani ko za mo na nzambe
au bosani que l'iloba nzambe est très puissant pour nous neutraliser le diable. Alors tant que la peur à côté a déstabilisé yo a commission a déséquilibre tant wana yé azoko s'installer petit à petit et petit à petit la peur azoko ta petit à petit la foi azo reculer. Donc faut tout ça vraiment très attention. La paix est pour la puissance du diable et la foi est la puissance de Dieu. Oui. Donc tant où ennemi aza très puissant. Tant où il y a koti, il y a toujours un élément où il y a toujours ming ezali la paix. Il y a un tobengi aza la paix aza ennemi. A quoi utiliser la paix. La paix exemple toko lobake par exemple on se présenter babengi yo frère moko to ser moko za maladi yoyé oyebi que je suis un homme de la foi, j'ai la puissance, Dieu m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, Dieu m'a donné l'autorité de guérir les malades. Mais tant yo komi sikoyo face à un malade, la peur a bandi ko glisser ba venin na petit à petit par rapport à il y a maladie au sein du bosonayo. On a la facilité à guérir mais dans la fièvre. Mais devant maladie à sida ou cancer, tant qu'on a au commun na sikoyo, maladie na yo sikoyo, au commun mesurer malade wana maladie au commun mesurer yango par rapport il y a foi au sein katinayo. Zoom. Tant que sikoyo mon obi ah au sein cancer. Bah, il faut qu'on a prié pour nous le cancer. Donc, bah, doute sur un aspect parce que la paix a utilisé un peu mingi bah doute bah travailler ensemble. Tant que doute ou on a hier en cas de monter mon ayo père abandu que pousse à car malé bah on marchait bah on mis malé. Alors, si comme malade dans le bosson ayo, faut y prier pour naier, faut chasser bah des moana, il faut y proclamer la guérison. Zoumou. Mais si comme bah mon la père a bandi ko utiliser penser na yo o bandi ko penser sur quoi ah cancer traitement zaté cancer bah tu bakou forakaka cancer même mindele bah laboratoire nous sommes mindele et lembani yango tant voilà sur quoi tellement oso raisonner or que la foi ne réfléchit pas mais yo bandi ko raisonner tant yo so raisonner mbala moko la père a sorti des cas doutes bah yo ensemble malé bien au moins que aux autres qu'on a prié pour la maladie maladie on a peut-être à quoi est cobique mais à koufi à cause il y a la peur yango au moins que faut pousser la peur par la parole de Dieu parce que plus parole de Dieu zali la foi augmente tant on a zoom méditer parole de Dieu la foi augmente wana toi koko qui ça verset à Hébreu que la foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. La paix est donc la force réciproque inverse de la foi. La paix est présente chaque fois qu'il y a un manque de foi. Donc comme on a dans Matthieu chapitre 8 verset 26. Matthieu chapitre 8 verset 26 et l'obin abisonini tout en haut vite fait. Faut pas oublier que la paix parmi les quatre ennemis de la foi. Alors, la paix tout en a versé dans Matthieu 8. Matthieu chapitre 8 verset 26. Et le bina bisonini. Verset 26 et le bina bisoboué. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de paix de foi? Alors il s'éleva, menaçant les vents et la mer, et il y a un grand calme. Donc, même les disciples, Yesu, bakutanaki na peur. Bazalaki face. Tant que bakomi liboso ya malade. Bazalaki envahi par la peur. Et Yesu a reproché Bango. A reproché Bango. Alors, il a dit Bango Nini.
Abinamou, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Amen. La peur a diminué foi na yo. Et petit à petit, foi na yo est qu'on refroidir à cause de la peur. Yesu a traité ba yeko na ye les gens de peu de foi parce que et l'on dit na base ya foi na bango est diminué, c'est la peur, c'est des doutes. Parce que Pascal, nous nous tournons encore au Yosali point Yaliboso, topé ennemi Yaliboso, il y a Ondima, na kati et kati na ban na Nzambe. Mais est-ce que à part l'effet à Kokoïsa, topé Kokitisa, Ondima, kati na ban na Nzambe, père, topé Bobangi, est-ce que Zali na Moussala, Moussousou, au Yosala Kate, par exemple, nous nous tournons au Bozali, Moussali na Nzambe, au Bikisa Kaba malade, mettant Moussousou, au monde à Bengi, au Liboso, à Moutouzali na Sida, topé cancer, à nous nous tournons au exemple, awa, et Sali Kekobanga, et qu'on permettre yote au sala musala lo lenge landisami kondima na yo. Alors tokolo bakino na point wana ezali ko empêcher même bana nzambe basai na nzambe ko sala musala nzambe lo lenge lingo bani. Oui, mais Yesu apesi biso be stratégie ya ko surmonter la peur. La peur tokoy ko surmonter ango na méditation à parole de Dieu to dans la prière. Ça c'est très important parce que moi nzambe même Yesu azaki visité par la peur. Même Abraham azaki visité par la peur. Awangani mwasi na Sarah. C'est la peur. Ba disciple ndeto uti kotanga wa tempête e bouja ki bango. Bango bazaki na barque na Yesu. La peur ekoki kobosanisa yo ke oza mwana na Nzambe. La peur ekoki kobosanisa yo ke Yesu azananga na barque. Nenge ekoyila ki ba disciple à Yesu. Abila bango les gens de paix de foi parce que bazaki visité par la paix. Lorsque un enfant de Dieu est visité par la paix a redéstabilisé foi na ye. Mais si ko pour remonter foi wana, il faut méditer la parole de Dieu, c'est dans la prière de tozo surmonter la paix. Pour tozo na top. Potozonga na foi na biso ekoma complète. Il faut tout méditer le loba nzambe dans la prière. Amen. Amen. Donc on a continué. Donc tempête et ba ki ko déstabiliser foi ya ba disciples. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva menaçant le vent et la mer. Amen. Amen. Donc Bible nous dit tous na foi net ya Yesu. Yesu ayebi ke azali nzambe, ayebi ke azala autorité sur la mer, sur le vent. Yango monike, quand il y a telemi a menacé vent pe a menacé mer. Amen. Vent wana ezanine, vent ezaba problème, ezoyi la biso ba maladie otozo. Ezoyi la biso. Face à maladie, mutu abosani kaza serviteur de Dieu. Face à maladie, face à épreuve, mutu abosani ke aza enfant de Dieu. Et que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur la maladie, sur la pauvreté. Mais tobo ça n'ango parce que ennemi o babengi la paix à sa côté, à sa infiltré biso. Yango pour na convaincre ennemi wana, il faut, c'est la méditation de la parole de Dieu, c'est dans la prière. Ça c'est très important. Sur to tangi mokana nzambe na livre ya Matthieu chapitre 4 verset 44. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. La peur vous empêche aussi d'utiliser la foi. Moutoyo azana peur. La peur a empêché yo utiliser la foi. La foi par rapport à la parole de Dieu. Mais moutou azali visité par la peur. Et ça lui a empêché à utiliser foi. Ok, la foi, ezana, il faut tout mettre en pratique dans la situation nyonso okokuyé la biso dans la vie, na vie. La peur vous bloque et vous paralyse en fait que vous n'agissez pas. Parce que mutoyo aza animé, envahi par la peur, a commis paralysé
a commis bloqué. A commis qu'il ait sauté. A commis bloqué. Mais il faut aussi surmonter la peur dans la prière ou la méditation de la parole de Dieu. La peur vous empêche aussi de prendre une décision, car vous craignez des conséquences. Zoumoun. On ne sait pas faire, Mouroboui. Opportunité, Pessami. Mais la peur, ils ont empêché aux joies de décision, aux joies d'initiative. Tout ça, c'est la peur. Donc, la peur a un ennemi très puissant. Mais la foi est plus puissante que la peur. Amen. Donc, nous devons utiliser notre foi dans ma situation, dans ma circonstance. Il faut vraiment utiliser la foi. La peur vous empêche aussi de confesser la victoire. Donc, nous avons que si nous prions déjà, il faut glorifier ce que l'Éternel, malgré nous l'ikambou et sa complicité, mais il faut glorifier l'Éternel. Tant que nous avons remercié, nous avons glorifié, victoire à l'Éternel, au moins la réalisation, il y a l'ikambou, il y a l'ikambou, il y a mais la paix, ils ont empêché au proclamer, au confesser la victoire avant l'accomplissement. Amen. Or, il faut rendre gloire à l'Éternel. Na oyona no monité. C'est par la foi, ça va s'accomplir. Ça, c'est très important. La paix nous empêche de confesser la victoire. Ok, bah, il faut pas confesser la victoire avant l'accomplissement. Ça, c'est très important. Amen. L'une des principales conséquences de la peur, c'est les doutes. Conséquence à l'ibosso. Conséquence à l'ibosso, doute. Tant que doute est lié, la vie, il y a moins en Zambé, vraiment, au Kourasou, que ça, à l'Ikambouanate, au Kourasou, qu'on réalise projet, au Kourasou, qu'on joue décision, parce que doute est eu déjà place, Kati, Nabomou, Inayo. Vraiment, ça, c'est très important. Tokoyi kotanga mukana nzambe ozolobela biso si ba conséquences na dans la peur na ba doute o ekoyi koyela biso na mukanda ya nombre chapitre 13. Ça c'est très important ba na nzambe to conséquences ba conséquences na ba conséquences na yango ezala ba conséquences na yango parce que tango yo mwana nzambe ozokoka kozwa ba décision te vraiment. Et ça passe. Tout en amoukana Nzambe na Nombre chapitre 13. Nombre 13, verset 31. Et le bin abissonine. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Amen. Tant que la paix a mis un disciple naïe, doute. Ba koti ba s'installer. Au Romona face à problème au Romona au communauté sauterelle. Zomona. Donc au Romona toujours adversaire nayo aza géant, aza costaud. Ça c'est la paix. Zomona. Donc la paix est déstabilisée yo. La paix est même milieu doute na kati parce qu'il y a travailler dans la doute. Zomona. Au Romona muto aza animé envahi par la paix, il y a diagnostic nayo et sera toujours négatif. Donc, il y a toujours il y a ça inférieur par rapport à l'adversaire, par rapport à ma problème, par rapport à ma situation. Il y a ça toujours inférieur. Toujours négativité. Toujours négativité. Maman Joël, au moment a vraiment que Moutou est animé par la paix. Donc, à quoi qu'il faut qu'on ait devant petit Moutou Moro Azali inférieur, panaye. Parce que Bissot, tu as puissanté. On a mais tu es puissant par rapport à Christ au Azakati na biso.
par rapport à Nzambe au biso ton dimela par rapport il y a foi au biso toza lango en Christ biso ne toza ba géant donc ba géant na biso ba komi ba petit biso to komi ba géant na place na bango biso to komi costaud ya moni David tanga mona ki Goliath David atala ki tai na yete mais atai ki tai ya Nzambe o ya ndimeli amen tai ya Nzambe o ya bengie ozomona vraiment ça c'est très important vraiment il faut au monde ka ba diverser na biso comme ba sauterelle et non biso ba sauterelle parce que biso toza ba serviteur de Dieu toza enfant de Dieu amen ça c'est très important voilà wana ezala ki bongo conséquence il y a la paire. Il y a la paire. Tu as déjà cochité, pasteur Pascal, conséquence moussousou ya paire. Conséquence moussousou ya paire. La paire vous fait toujours agir en décan ou en dessous. Ça, c'est très important. Parce que la paire, ce qui a joué ici, kakati, nabomu ya moi dans Zambé, Romona, même il bagissement na yo, eza elemba, eza poate. Donc, eloko ko beta li ko fina mesa, mais yo zo lo bilango kaka. Parce que moutou a la autorité. Donc, tant azo lo ba vraiment avec l'autorité. Mais moutou a animé par la paix. On a ko beta yo. Zomouna. Donc, adversaire, na zomouna. Oh. Oui, bitumba musu ko gagner on kaka na ba grimace. Zomono. Donc bitumba musu so mona ke mtu azali bosono aza makasi. Mais tellement yo oza la kondima. Donc ba grimace na yo, autorité na yo, ta façon de parler, ta façon d'agir au mona adversaire à l'équipe na makasi akomo bang. OK, yeso ki a ce qui la paix et koti na kana ye, ye ba yo za la victoire. Zomono. Tant David a examiné qui Goliath a examiné, a tali le point faible, il y a Goliath, incirconcis, a tali le, nous sommes là-bas, nous sommes étrangers, nous sommes là-bas, plus puissants, a tali le, Arbi, tel un amour sous défaite, Moko, a insulté Dieu d'Israël. Et ceux qui ont insulté Dieu d'Israël, il y a un petit Nangaï, ils ont déjà vaincu. Ceux qui ont incirconcis, il y a un petit Nangaï, diable, yo osa déjà vaincu. C'est ça. Donc, moutou osa animé par la foi, a tel à la point faible, il y a diversaire. A décrivement, point faible, il y a diversaire, a tel déjà, a ébissé déjà, Saoul, qui a mis Narobé Taï. Par la foi. Et moutou osa la foi, osa la poste à soutien. Il y a un moment, David, on va pécier, Boundelignon, sous, il y a roi Saoul. A tel à l'ati en romain, à mon yozo simbate, habité, roi. Ce qui a gagné Goliath, na bibundeli oyo, et vous avez atteint même ta gagné. Non, a dépouillé, ba bibundeli yon sou, ba teni yon sou yo, oyo roi pesa qui est, à l'ongo li en a jusqu'à 5 pierres. Zoumoun, a jusqu'à 5 pierres. C'est ça, maman du Joël. C'est-à-dire, bisoba en Zambé, fotoye baka ba point faible adversaire et pe toye baka force en Zambé o biso ton dimela oyo tozo o biso tozo sale la fotoye baka force na yi amen voilà merci beaucoup pasteur Pascal nde awa to komina souk émission na biso ezala ki bongo thème to pe premier point élément ya liboso ennemi ya liboso ya kondima ya bana Nzambe ou tu développes ki bongo na les prédicateurs de la parole dédiée au pasteur Pascal Lukoki na banza yete mbala ya sima to ya pou ete to développer deuxième ennemi ya kondima ya bana na Nzambe je crois ki te ba tant wazali na nous awa to continuer toujours ko développer émission na biso matin na biso na baye ba sepela ka koyoka liloba na Nzambe o elendi saka o etele misaka baye ba si ba koyaki ba peut-être kondima pe si elimbaki par rapport na ba ennemi oyo ba bundisaka kondima ya bana na Nzambe nde to kabwani awa mekasi yambo to kabwana complètement na mosa na Nzambe prédicateur de la parole de Dieu pasteur Pascal na rejoindre ce sous malobe pa na yo on a adressé message na bana nzambe nyonso ba ibazwi libakwe ko landa. Na pamboli nzambe pe na pour na bana nzambe nyonso ba pe na pamboli nzambe pour na plus clair télévision pe na pamboli nzambe na présence na yo ma sœur Joël Kombe.
pe ndeko na biso na bilili Gonago nga na sekara mingi go tango lo bara Gonago wana na baki un jour fona mona Gonago le non nzamba salinga grâce na mona Gonago vraiment message oyo vraiment ba nzambe ba ozayo pambola ma pe vraiment bobo landa yango mingi pe tokokota mbala sima de tokokota na deuxième ennemi na biso o babengi l'incrédulité. Amen. Amen. Nzamba pambola bino. Matondo mingi mosali na Nzambe Pasteur Pascal Lukuki, matondo na bana Nzambe nyonso ba yebuzwa ki libaku ya kolanda biso, tokutani bongo mbala sima soki nkolo abateli biso, osepela ki na émission, likez, partagez surtout sur les animaux balali biso landa biso, ko bosana te ko s'abonner na kati ya Piscar Télévision, la chaîne de vérité. On se retrouve en prochain numéro. Au revoir, bobo tout na bobo na bino. Bye bye. Bye.